Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment on répare la hotte d'un Leica 200i ou d'un Ecovip 2, Ecovip 100, à peu près tous les modèles Leica avant 2000. On démarre, allez c'est parti. Alors la première chose à faire c'est démonter toutes les petites vis qu'on voit là. Hop. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai oublié de vous dire, le problème, c'est qu'en fait, l'aspirateur qui se trouve ici, on voit pas bien, attends, voilà, donc là, il y a un truc qui tourne, et il est décroché, donc le bruit, voilà, il tourne dans le vide. Bon, allez, je coupe et puis je vous reprends juste après. Voilà, donc toutes les vis sont enlevées. Donc là, il faut faire bien attention. Ici, parce que là, il y a quand même de l'électricité. Donc voilà, là, on voit la hotte. Et c'est bien ça qui crée un problème. Voilà. Donc ça, on va gérer cette histoire pour que ça remarche à nouveau. Alors voilà l'histoire. Je vais en profiter pour nettoyer un peu. Donc ici, il y a un petit picot. Voilà. Donc moi, je pense que ça s'est enlevé. Ça s'est enlevé de l'axe qui tourne. Et du coup, c'est pour ça que ça fait du bruit. Donc il était posé comme ça. Bon allez, je nettoie tout ça. Alors il y a déjà une bonne chose, c'est problème de moteur ou je ne sais quoi. C'est un peu prise de tête, mais enfin bon, si elle remarche, ça sera déjà une bonne chose. Alors voilà, du coup, j'ai sorti le système. Donc le système, il est là. Hein. Donc c'est bien cette petite vis là qui tourne. Et puis je vais remettre... Je vais remettre les ailettes là et après normalement ça sera bon, enfin j'espère. Alors voilà, ça marche et surtout ça tient, donc ça aspire bien. Hein. J'ai vérifié avec avec un petit bout de torchon que j'ai allumé et effectivement ça aspire. Donc là ça a l'air de tenir, hein. Ça veut dire que la dernière fois c'était mal mis. Donc on va enfin repouvoir cuisiner des choses qui sentent pas bon quoi. Voilà. Allez, je remonte tout ça et puis on fait un vrai essai. Bon, c'est cool. Ça a l'air de marcher. Allez, bon bah je remonte les vis. Allez, c'est parti. Bon allez, remontage. Ah, je vais éteindre la lumière, ça chauffe un peu le visage. Bon, allez, je mettrai en accéléré, hein. Évidemment. Je mettrai le lien de l'autre vidéo où j'avais déjà réparé, mais a priori, je l'avais mal réparé, je l'avais pas sorti. J'avais pas sorti la chose. Et puis bah, finalement ça n'a pas tenu longtemps. Alors là je sais pas combien de temps ça va tenir, j'espère longtemps. Ça serait mieux quoi, évidemment. Voilà. Hop. Je vais pas visser trop fort pour éviter de tout casser. Allez, plus que 3. Qu'est-ce que tu fais toi Chloé? Bah comme on va pas redormir dedans et qu'on est tranquille, la fille joue, je range. Parce que c'est la fin des vacances. Donc c'est la fin des vacances de Pâques. Et on a été passer les vacances de Pâques dans le château de Pépé. Donc là on y est. Et dans mon cul. Et donc tout à l'heure, on rentre. Donc j'en profite que il y a un truc. Pas bien, c'est de le faire pendant qu'on roule évidemment. Bon, c'est voilà. Pratique, mais c'est pas très très autorisé. Allez, on essaye.
c'est bon, ça marche. Enfin, ça marche. Ouais, enfin, la porte, elle est ouverte. Mais bon, ça marche. Ok, c'est bon. Parfait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été instructive, qu'elle vous aidera dans vos problèmes de camping-car. Et puis, évidemment, si vous avez bien aimé la vidéo, c'est court, hein, c'est rapide, mais voilà, une petite vidéo tuto. Hein, vous n'oubliez pas le machin, laissez des petits commentaires si vous voulez, et surtout abonnez-vous. Là, on est à combien? On est à 450 abonnés. J'ai pas regardé combien de vues on avait, mais voilà, donc c'est parti, quoi. Voilà. Tu veux dire un mot, Chloé, ou pas? Sur cette réparation? Ouais. Super, bravo, mon chéri. On va voir combien de temps ça tient, mais des fois, ça tient pas. On va voir combien de temps ça tient, voilà, j'espère que ça va tenir. Mais faut l'encourager. Ouais. Bah, ça a tenu deux mois, la dernière fois. Non. Si. Ça a tenu 5 minutes, ça faisait un bruit d'enfer. Bon, allez, à plus tard. Ah, t'es devant la caméra. Hop. Ah, ciao.